Bon bah tout d'abord bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne YouTube. Bon, aujourd'hui on est mardi, c'est le vlog hein, comme d'habitude. Mais journée très mal passée pour moi. Je m'attendais pas à ce truc-là. Bah puis depuis dimanche il s'est passé des choses hein, forcément. Parce que aussi il n'y a pas que ça. Alors c'est tout, fait le nécessaire, tout machin. C'est un projet que je devais réaliser. Ah, certes, le projet a été réalisé sans problème, mais la moitié. Il me manque la moitié. Parce que c'était prévu que normalement, bon bah certains d'entre vous le savez, j'en avais parlé, mais pas sur YouTube, hein, j'en avais parlé dans nos discussions. Dans nos discussions. J'avais dit qu'il y avait un projet qui allait se faire, j'avais pu débloquer de l'argent, etc. pour réaliser ce projet. Ouais, pas de souci. On fait ce qu'il faut, machin. Là, je vais où je dois aller tout à l'heure. Eh ben non. Ça n'a pas pris. Donc du coup, j'ai bien la chose qu'il me faut, mais j'ai pas l'autre chose. Donc du coup, je suis un petit peu dégoûté quand même. Parce que ben forcément, ça faisait pratiquement un an que j'avais dit, ouais, je le ferai. Je ferai ce changement. Bon, le changement a été fait. Hein, ça, il n'y a pas de problème. Le changement a été fait. Mais le problème qui s'est passé en arrivant là-bas, c'est que je me suis retrouvé que j'étais pas éligible à faire ce truc-là. Et que étant donné qu'avant, je pouvais le faire. J'ai pas compris. Bon, c'est tout. J'ai fait ce que je devais faire quand même en soi pour aujourd'hui. J'ai fait ça, je devais, du coup, je l'ai fait. Bon, certes. Il y aura des économies de fait quand même, je vais pas le cocher, je vais pas mentir, mais il faut que j'attende une semaine. Pour maintenant, bon, c'est tout, c'est comme ça, c'est fait, hein. Quand on mentit, c'est pas grave, mais bon, ça embête toujours un petit peu le monde parce que quelque part, on était prêt à faire ça, on avait mis tout en œuvre, on avait fait tout ça, et puis là, je me retrouve à néant, quoi, on va dire. Donc, c'est pas terrible. Et puis aussi, la cerise sous le gâteau, forcément, on va continuer comme ça, on va continuer dans les choses négatives aussi, hein, parce que c'est fait pour ça. Et ben, la semaine dernière, mercredi, je crois que c'est ça, j'ai reçu un mail. Un mail auquel je m'attendais pas. Alors c'est tout, j'ouvre ce mail, je lis. Ouais. Bon, c'est tout. Je me soucie pas plus que ça. Nécessaire est fait. On revient vers moi hier. Il n'y a pas plus tard qu'hier matin. C'est tout. On me dit par contre, il y a un problème. Allez, encore. Hein. Il n'y en a pas assez. La liste est longue, mais on va encore en rajouter. Et ben, en fait, ce qui s'est produit, c'est que ben, l'hôte a en fait appel. Par rapport à la procédure en cours. Ben, la procédure qui était terminée, je veux dire. Allez, c'est reparti. Allez, ça lousa. Voilà, c'est beau. Donc du coup, elle a refait appel. Donc du coup, ben, voilà. Madame, pas d'accord. Bah ouais, mais forcément, je vais le dire là, je m'en fous. De toute façon, j'ai rien à cacher. Façon, t'as été obligé. Façon, t'es obligé de travailler. Ah, c'est ça qui t'embête en fait. Maintenant, moi, je vais le dire. C'est ça qui t'embête en fait. Il faut que t'ailles bosser. Mais c'est normal. Le beau-frère de la princesse, ils vont pas continuer à te payer, ça faut pas rêver. Ça, il faut les pas croire. Un jour ou l'autre, il fallait que tu y passes. Mais c'est bien fait pour toi. Je te donnerai pas raison cette fois. C'est bien fait pour toi. À ce temps-là, il fallait m'écouter. Il fallait m'écouter quand je te le disais. Mais maintenant, il est trop tard. Tu vois la vie comment elle est maintenant. Eh oui. Mais c'est pas par choix que t'as fait ça. C'est parce que t'es dégoûté et t'as été obligé de le faire. Parce que tu le savais très bien de ce qui allait t'attendre après. Tu le savais. Et tu le savais. De toute façon, j'ai gagné la procédure. Je le savais très bien que ça t'aurait pas plu. Mais je sais très bien que c'est pas toi qui l'as fait. Je sais très bien que c'est pas toi qui as refait appel. Mais de toute façon, c'est trop simple. On connaît tous ça. On sait très bien. Toi, de toute façon, ton avocat, j'en suis certain que tu l'as pas payé. C'est obligé, tu l'as pas payé. C'est obligatoire.
C'est normal, t'es insolvable, donc comment veux-tu qu'on vienne te prélever de l'argent? Moi, par contre, moi, contrairement à toi, à ce que tu peux penser, moi, mon avocat, moi, je l'ai payé. À mon avocate, parce que moi, c'est une dame. Moi, je l'ai payé. Et bien payé. Très bien payé, même d'ailleurs. Tu te rends compte qu'à cause de toi, on va être obligé encore de repasser au tribunal encore à cause de toi? Tu te rends compte de l'ampleur que tu es en train de faire? Tu te rends compte de l'enjeu que tu es en train de prendre? Mais tu vas perdre. C'est obligatoire. Sur mes morts, tu vas perdre. Je te le dis tout de suite, je te le dis d'avance, tu vas perdre. Parce que n'oublie pas, moi j'ai encore des choses derrière. Moi j'ai encore des choses. J'ai encore des choses que tu as dites, que tu as faites, que tu as écrites. Ne l'oublie pas. Moi je les ai toujours. Tout le dossier, je l'ai. J'ai tout le dossier avec moi. T'inquiète pas. J'ai tout le dossier avec moi. Le dossier, on va le repasser, c'est pas un problème. Tu veux refaire appel, eh ben l'appel, on va le refaire, c'est pas un problème. Mais ce qui me dérange un peu, c'est encore que je vais encore repayer. C'est ça qui me dérange. Au mois de décembre, j'étais à peu près content. Je me suis dit, bon, procédure judiciaire terminée, machin. Bon, j'y allais. Ouais, ça va aller, ça va bien se passer. Ça va être bien, ça va être bien, quoi, je me dis. Ouais, ok. Bon, on laisse passer décembre, hein. Tout content, machin. Commence à faire ce qu'il faut pour la camping, hein, bien évidemment. Hein. De toute façon, vu qu'elle me revient, on a commencé à faire ce qui devait être fait. Et tout. Ouais. C'est tout, on avance comme ça, janvier, machin, je récupère la camping, ceci, cela. Bon, voilà. Hein. Banal, hein, on va dire. On va dire banal, hein, ça se passe, hein, on va dire. Et puis là, ben, t'apprends que voilà, ben. T'as refait appel. Mais c'est marrant. Hein. Je l'avais dit. Il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, je m'en doutais. Parce que déjà, quand j'ai reçu le mail, ça sentait pas bon. Aux personnes aux qui je l'ai dit, vous vous reconnaîtrez. Je vous l'ai dit. Je vous l'avais dit, je le sentais pas déjà. Je le sentais pas. Et puis quand je dis quelque chose, je me trompe jamais. Parce que lapsus s'est révélé révélateur. Je le savais que t'allais pas laisser comme ça. Au fond de moi, je m'en doutais un petit peu. Parce que ça ne te convient pas. Ça ne te convient pas. Et ça se voit. Et ça se voit et ça se remarque que ça ne te convient pas. Mais moi, en attendant, je suis dégoûté parce que tu te rends compte. Je sais même pas si tu te rends compte de l'argent que j'ai dépensé. Je sais pas si. Je sais pas si tu sais, hein, mais bon. Ah, puis je sais très bien qu'au fond tu regardes les conneries aussi, je le sais. Mais je le fais bien exprès de le dire, devant tout le monde, mais sans expliquer, je le fais exprès. Je le fais exprès parce que je le sais. Je le sais très bien que tu regardes et je sais très bien qu'il y a des choses qui te dérangent. Je sais très bien que t'es jalouse de certaines choses, mais je m'en fous. Je m'en fous royalement que tu es jalouse de certaines choses. Je m'en fous. Je m'en fous, tu sais. Je vais tenir. Parce que je sais très bien ce que tu penses dans ta tête. Je le sais très bien. Sur la tête de ma mère, je le sais. Je sais très bien ce que tu penses. Mais ne sois pas jalouse de cette personne, s'il te plaît. Ne sois pas jalouse de cette personne. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je vais dire quelque chose. Je vais le dire devant toute la commune, je m'en fous. De toute façon, j'ai rien à cacher. Vous le savez très bien, les amis, la famille, tous autant que vous êtes, vous le savez. Je me porte garant de sa réussite. Je me porte totalement garant de sa réussite. Voilà. Si vous vouliez le savoir, de toute façon, vous savez très bien de qui je veux parler. Vous le savez très bien. Maintenant, j'ai plus besoin de dire. Hein, j'ai même plus besoin de citer. J'ai même plus besoin de ça. Vous le savez. Vous le savez. Mais moi, je me porte garant de ta réussite. Et je te le dis. Et je ne te le cache pas. Tu te reconnaîtras de toute façon, il n'y a pas de problème. Et je sais très bien que tu te reconnaîtras, mais moi je me porte garant de ta réussite. Parce que jusqu'à aujourd'hui, t'en as passé. T'en passeras encore. Mais là aujourd'hui, t'es en train de réussir. Et moi ça me plaît. Et moi ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir au moins d'avoir aidé une personne qui est très chère à mes yeux et qui l'est encore aujourd'hui. Et qui sera pour toute ma vie. Je le dis, je ne le cache pas. Eh ben moi ça m'a fait plaisir de l'avoir fait. De t'avoir aidé, même que derrière il y a des jaloux, qu'il y a ceci, qu'il y a cela, je m'en fous. Le dis honnêtement, je m'en fous. Parce que je sais,
Je sais qu'il y en a qui s'embêtent parce que, ouais, mais pourquoi, tonton, pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as fait ça? Bah, c'est parce qu'il y avait du mérite derrière. Il y avait du mérite de le faire. Il y avait un plaisir de le faire aussi. Il y avait un plaisir aussi d'aider. C'est ça le truc. C'est ça le truc que j'essaye de vous faire dire aujourd'hui. Parce que c'est bien de dénigrer une personne, de se foutre de la tête, entre guillemets, d'une personne. Mais quand vous savez pas ce que la personne a là, là c'est pas pareil. Là c'est très différent. Et moi je suis fier. Je suis fier de ce que j'ai accompli. Les personnes, que ça leur plaise, que ça leur plaît pas, je m'en fous. Parce que moi j'ai fait quelque chose de bien. J'ai fait quelque chose de bien. Et à l'heure d'aujourd'hui, je ne regarde pas ce que j'ai fait. Les choix que j'ai faits jusqu'à aujourd'hui. Non, je regrette. Je regrette pas ce que j'ai fait. Bon, s'il y a des choses que je regrette quand même, je vais pas le cacher. Je vais pas mentir là-dessus. Hein. On va pas se le cacher non plus. Je vais pas mentir non plus. Mais voilà, j'ai fait des bonnes choses, j'en ai fait des mauvaises. Malin d'aujourd'hui, moi, tout ce que j'ai fait, je pense que c'est tout est bon, en fait. Voilà. Et j'ai bien fait, finalement, parce que quand je vois le résultat, à l'heure d'aujourd'hui, bah, je suis très fier de ça. Et ouais, j'en suis très fier. Je suis très très fier de ça. Même que c'est pas facile, même que par moments c'est compliqué, parce que, comme on dit, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Je sais très bien que vous voyez triste en ce moment, vous voyez pas très bien, mais vous le savez. Alors pour certains d'entre vous, vous le savez. Après, je sais qu'il y en a qui n'ont pas compris la Tonton Story de vendredi. Il y en a quelques-uns d'entre vous qui n'ont pas compris. Mais bon, je vous avais dit que j'allais vous consacrer la Tonton Story uniquement qu'à mon rendez-vous. Ça, vous le saviez. Je vous l'avais dit. C'est pas de ma faute de ne pas vous avoir prévenu. Je vous l'avais dit. Il y en a qui ont compris. Il y en a qui n'ont pas compris. Mais après, j'étais obligé de vous le dire aussi. Parce qu'il est vrai que depuis le début, vous suivez ça. Et voilà, et je sais très bien qu'il y en a de la commu qui aiment bien, ben, entendre mon évolution, voir des choses, etc. Ça, je le sais. Et merci à vous d'ailleurs. Après, voilà, ben, c'est tout. Après, mais ça m'embête, moi, ça m'embête très fortement parce que ben voilà, j'ai encore me retrouver encore, hein, comme vous savez. Et je sais pas. Ah, moi, ça m'embête, c'est très embêtant pour moi. Je sais, je suis peut-être très calme aujourd'hui. Peut-être très calme, hein, vous allez me dire. Vous allez me dire, ouais, tonton, t'es calme aujourd'hui. Je suis calme, mais je suis très fatigué, j'en ai. Voilà, vous m'avez compris, parce qu'on peut plus trop dire trop de choses sur YouTube, on peut plus trop dire comme on pouvait parler avant, etc. Mais voilà, mais c'est. C'est pas terrible, c'est pas. Enfin, c'est. T'es inadmissible, quoi. Bah, moi, pour moi, c'est totalement inadmissible et moi, je voulais pas en arriver là, ici. Si vous voyez. Bah, si vous voyez ce que je veux dire, je voulais pas en arriver ici. Mais sache qu'une chose, mais je me battrai jusqu'au bout. Tu m'as pas mis parfait. Je te le dis, tu m'as pas mis par terre. Si tu pensais m'avoir mis par terre, ben tu m'as pas mis par terre. Ah non. Non, 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 non. T'es loin de m'avoir mis par terre. Je te le dis. Je te le dis franchement, moi pour me faire tomber, vous savez tous, hein, les amis, la famille, vous savez très bien qu'il m'en faut pour me faire tomber. Vous le savez. Mais bon, mais je trouve ça, c'est un peu lâche, hein. Quelque part, c'est lâche quand même. Mais bon, après, on veut toujours récupérer ce qu'on a perdu, quelque part. Voilà. Mais bon. Enfin, mais t'as encore attendu longtemps. Hein, c'est pas. Ou à moins, peut-être que t'avais peut-être une date limite avant de te rétracter, peut-être. Ou à moins que t'avais pas. Ou à moins que t'as pas envie de payer l'argent que tu me dois, peut-être. Ça, c'est peut-être ça aussi. Tu veux peut-être pas payer l'argent que tu me dois, c'est peut-être le problème aussi que tu as parce que ça fait peut-être un peu beaucoup pour toi. Mais bon, quand on fait des bêtises, eh ben on assume. On assume derrière après.
On assume en fait, on assume ce qu'on a fait. T'as voulu faire ça, t'as voulu jouer, ben maintenant, ben voilà, comme on dit, on récolte ce qu'on a semé. Bon, ben les amis, la famille, par contre, j'ai pas d'animation pour demain. On va parler d'autre chose. J'ai pas d'animation pour demain. Donc, du coup, je vous le dis, bon, je vais essayer de retourner à l'assaut, je vous promets pas, je vais essayer quand même. Je vais essayer de me reprendre quand même pour certaines choses. Parce que là, je vous ai parlé de ça, mais j'essaie de me reprendre pour certaines choses quand même. Parce que quand même, c'est vrai que l'assaut, ça me manque quand même. Je le dis, je le cache pas. Je le cache pas que. Je le cacherai jamais. Vous savez très bien que l'assaut et puis les assauts partenaires, ben, c'est comme ma deuxième famille, ça vous le savez. Parce que quelque part, ma chaîne principale, elle est partie de l'assaut. Elle est partie de l'association. J'étais quand même méconnu quand même. J'étais quand même un peu méconnu quand même. Mais maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, quand même, voilà, j'ai parcouru beaucoup de chemin, j'ai parcouru beaucoup de choses et continue à aller donner de la force à Tati quand même. Continue à aller lui en donner. Continuez, là, je le dis, continue à aller lui donner de la force quand même. Parce que voilà, et merci au fait, merci. Je vais dire un merci, un certain merci particulier à quelqu'un aujourd'hui. Tu te reconnaîtras, t'as commenté l'avant-dernière vidéo, je t'ai répondu, je t'ai dit merci que c'était gentil de ta part. D'avoir commenté la vidéo d'ailleurs, tu te reconnaîtras, de toute façon je ne cite pas ton nom ici, mais tu sais très bien de qui je veux parler. Merci à toi d'ailleurs, de ta bienveillance aussi d'ailleurs. Parce que voilà, bah, pour moi ça fait plaisir, bon. Un petit peu timide à être. Voilà. Te dira pas, mais moi je le dis en son honneur, parce que voilà, tu sais très bien, voilà, je ne dirai pas, j'en dirai pas plus là ici, mais tu sais très bien, j'en dirai pas plus ici, mais toi-même tu sais, voilà, j'ai pas besoin de t'en dire plus, mais en tout cas ça m'a fait plaisir, venant de toi quand même, ça m'a fait plaisir, parce que ben étant donné qu'on ne se parle plus. Mais je sais pourquoi t'as fait ça. Moi, je sais pourquoi. Au fond de moi, je le sais. Mais par contre, si t'as des choses à me dire, je reste joignable. Tu peux me téléphoner. Tu le sais très bien. Mais voilà. Parce que même à l'heure d'aujourd'hui, je ne comprends toujours pas pourquoi qu'on ne se parle plus. Tu vois le problème, c'est ça. Mais après, fais pas ça, va pas parler à Tati pour essayer de m'en reparler. Tu sais très bien, je l'ai tout gentil. Les amis, la famille, vous le savez très bien, vous voulez me parler, vous me parlez à moi, vous parlez pas aux autres. Si vous avez des choses à me dire, vous faites pas passer des intermédiaires pour me parler. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est tout ce que j'ai à rajouter par rapport à ça. Donc voilà les amis, bon bah moi je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, tout dépend quand vous allez regarder ce vlog. Rendez-vous au prochain numéro dans la joie, la bonne humeur. Donc moi je vais vous donner rendez-vous vendredi pour la Tonton Story. Par contre j'aurai quelque chose à vous dire vendredi. Normalement ça devait être aujourd'hui, parce que je sais que certains d'entre vous attendaient. Mais malheureusement, bah on va continuer dans la mauvaise journée. Tout à l'heure, j'ai reçu un texto et on m'a dit que c'était pas possible aujourd'hui. Donc du coup, c'est reporté à une date antérieure. Donc du coup, je vous dirai quelque chose vendredi. J'étais un petit peu dégoûté de l'avoir appris. Mais voilà, mais moi je tenais à ce que tout le monde le sache. Je vous dirai quelque chose vendredi, voir si c'est positif ou voir si c'est négatif pour moi. Parce que forcément. Même le rendez-vous à la BGE, ben derrière, j'ai dû faire des choses. Il y a eu des choses qui ont été faites. Forcément. Forcément. Donc voilà les amis. Donc sur ce, peace à vous. Et surtout, prenez tout soin de vous. Salut, ça.